Café des Marais, au cœur du Tropic Café, bien sûr, mon émission est en direct. Goûte-moi ou épouse-moi, nous sommes en compagnie de... Salut, tu t'appelles comment ? Matt. Matt ? Matt, ouais. T'as vu tout ? Sorcelle-Saint-Brice. Alors, sais-tu recevoir ? Absolument, toujours. Donc, je me force justement à recevoir soit mes amis ou mon petit chéri dans d'excellentes conditions, avec tout soit propre, soit bien soigné, une table parfaite avec des roses, petit dîner aux chandelles. Putain, il a vraiment de la chance. Qu'est-ce que tu as trouvé chez ton mec ? T'as attiré. Il n'est pas comme les autres déjà. Il est atteint d'une maladie qui est assez rare et j'ai rien que ça, après ça m'a donné envie de découvrir parce que c'est pas différent des autres. Déjà sa maladie et son survie. C'est très malheureusement de ta part. Es-tu fidèle ? À 100%. À 100%. Ah ouais, 100%. Ça fait longtemps que t'es avec lui ? Un mois. Un mois ? As-tu fait ton coming out ? Depuis l'âge de 13 ans. Depuis l'âge de 13 ans. Ouais. Et tu t'en sens de ta différence ? Pour moi, c'est pas de différence, c'est comme les autres, sauf que c'est des personnes qui s'aiment et du même sexe. Et, pour moi, c'est pas de différence, c'est tout simplement deux personnes qui s'aiment et il n'y a rien de plus beau que l'amour. L'endroit le plus insolite où tu l'as fait ? tu peux faire joker, hein ? Dans les toilettes de la gare. Dans les toilettes de la gare ? Ouais. C'est très sexe. Qu'est-ce qui te rend hystérique ? Qu'est-ce qui t'énerve ? L'infidélité. Les mecs, par exemple, certains mecs du Marais qui sont super heureux aux autres et l'irrespect, c'est là tout qui m'énerve le plus. Voilà. L'odeur qui te repousse le plus chez un mec ? On va poser des questions un peu... La laine. Ouais. Oli, es-tu prête à salir les mains ? Non, je fais en général le romantisme et assez soft. Ouais. Très romantique, j'aime pas être du truc hard, plutôt le romantisme, le charme. Donc, je te pose pas cette question, c'était pour les sextoys ou non, pas du les plans tout. À trois. Non, pas du tout, alors c'est pas ce genre de question. Et est-ce que t'as déjà suivi un mec dans la rue ? Si, ouais, je l'ai fait l'année dernière, c'était un mec en fait où j'ai flashé sur lui directement un certain du bus et j'ai suivi, mais jusqu'à temps qu'il s'aperçoive que voilà, j'ai donné mon numéro de téléphone et on est sorti ensemble dessus. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec ? Sa mentalité et sa beauté intérieure. S'il est con, c'est pas la peine. Il pourrait me plaire physiquement, mais si c'est vraiment un connard fini et qu'il n'a aucune mentalité, c'est même pas la peine. Donc vraiment l'intérieur et la mentalité. Quoi. Ta première expérience gay, c'était à 12 ans aussi ? 12 ans, ouais. 12 ans. Je me suis fait dépucer par un black et j'ai aimé ça. Et voilà. Tu t'es fait dépucer par un black et t'as dû te faire déchirer. Non, parce qu'il a fait très tendrement et bien monté en plus et il a vraiment fait ça bien. Ah, pour une première fois. Ton plus gros fantasme ? Ça serait de... Je sais pas, de... faire vraiment dans la mer avec du champagne par dessus. Bon bah je te remercie. Ouais, je t'en prie, c'était super sympa. Merci. À bientôt. Je t'embrasse. Je suis avec deux icônes gays. Les icônes du milieu gay que tous les gays adorent. C'est nos petits. Je vais pas dire filles à pédé, j'aime pas du tout. C'est. On peut faire des bisous alors. C'est nos chéris bisous. Love is Madonna et Britney. Qu'est-ce que tu es prêt à offrir à un mec à part du sexe ? De l'amour. De l'amour. Et ouais. Toi ? La tendresse. De la tendresse. Larc, tu t'es mec par SMS ? Non, jamais. Hors de question. Hors de question. T'aimes bien leur mettre à l'arrache. À l'arrache. À l'arrache. À quel âge as-tu eu ta première vraie relation ? À 14 ans. Cochonne. Ah oui. Et toi ? À 16 ans. À 12 ans. À 12 ans. Ah ouais, bah bravo. Je te félicite pas sur ce coup-là. Ton pire cauchemar ? Mourir. Pareil. Bon, je vais pas vous demander si vous êtes plutôt passif-agressif ou active-soumise. Plutôt active-soumise. Agressive. Un peu chénasse. C'est quoi pour toi l'amour ? La merde. Être entier. Es-tu sextoy ? Oui, énormément. Encore hier soir, voilà. C'est le caméraman qui va être content. Elles vont mettre deux ceintures gold et elles vont faire les fesses, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez un mec ? Ses fesses. C'est mort. Est-ce que vous avez déjà couché ensemble ? Non, jamais. C'est prévu. Ça va être gay, c'est pour ça. La première expérience gay ce soir, ça va être ce soir. Et bien ça va être ce soir. Je pense que ça va être ce soir. Un bon cuni et ça le fera. Qu'est-ce qui te rend hystérique ? Les mains d'un homme. Les mains d'un homme. Ouais. Un
impuni. Par contre, ça m'intrigue. J'aimerais bien savoir l'endroit le plus insolite où vous l'avez fait. Une voiture. Comme ça. Alors moi, dans une boîte de nuit, dans un placard à balai et à la locomotive, s'il vous plaît, à Paris. Voilà, et elle nous a toutes battues. Hein. Comment t'as eu les clés de cette... C'est pas moi, j'ai eu les clés par rapport au DJ, je ne donnerai pas le nom. Tu l'as balancé. Non, je ne donnerai pas de nom, je n'avais pas l'année ni le nom. On espère que c'est pas la Nico qui travaille à la météo. Non. C'était pas elle. Non. Enfant, tu voulais faire quoi plus tard? Esthéticienne. Je voulais juste niquer sur toi. Ben, je vais vous remercier les filles. Merci. Hein, c'est moi.